Alexandra Parrish, je m'appelle Matthew Keys. Nous avons cru comprendre que vous cherchiez un emploi. J'ai le temps d'y penser. Cette offre expirera dès que vous sortirez de ma voiture. J'ai l'intime conviction, comme nombre de mes collaborateurs, que le FBI vous a extrêmement maltraité. Et à l'arrivée, ils vous ont laissé tomber. Alors, est-ce que vous vous sentez fin prête pour la suite? Oui. Bonne journée. Merci. Raina? Qu'est-ce qui se passe? Je veux m'assurer que tu vas bien. Ça ira mieux quand ce sera fini. Je pourrais me libérer à la fin de la première réunion. Je suis dans le bâtiment à côté. J'ai laissé un pass à ton nom à l'accueil. T'es toujours là? J'ai cru voir un truc, mais je suis sûre que c'est rien. Rendez-vous dans une heure? Ça devrait pas être long. Ok, à plus tard. Du lundi au vendredi, le Financial District fourmille d'hommes et de femmes d'affaires qui rejoignent leur lieu de travail au pas de course. Ce samedi, les bâtiments sont peut-être vides, mais les rues, elles, sont envahies par les chefs d'État qui se réunissent ici sous haute surveillance pour se demander si nous devons mettre un terme à la surveillance globale. Le président Todd est venu avec sa femme, la première dame, Hélène Todd, pour prononcer le discours d'ouverture. Pas riche? Vous n'êtes pas... Je l'étais, mais plus maintenant. Vous êtes envoyé par le FBI? Non, je suis là en tant que civil. Bienvenue au sein du périmètre de sécurité. Excusez-moi. Salut. Salut. Merci d'être venu. Je reste seulement un jour à New York. On m'a dit, t'as rejoint l'équipe chargée du briefing quotidien soumis au président. Ouais, depuis la semaine dernière. Félicitations. Merci. Mon équipe m'attend à Federal Hall, alors... Si... Comment elle va, Ryan? Alex, pourquoi tu me poses cette question? Je devrais pas, excuse-moi. C'est pas... Ah non?